Hey, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous tous les cadeaux de Noël que Scarlett a reçus. Donc petit disclaimer, comme à chaque fois, oui Scarlett a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux, mais nous sommes nombreux et certaines personnes ont voulu lui faire plusieurs cadeaux. Donc le but de cette vidéo, c'est pas d'avoir des polémiques sur le nombre de cadeaux, mais plutôt pour vous donner des idées. Si vous avez une petite fille comme Scarlett qui adore ce genre de choses de 4 ans, parce qu'elle a 4 ans, alors que je tourne, ou alors pour vous donner des idées pour faire un éventuel cadeau à une autre petite fille qui est pas trop, que vous connaissez pas trop au goût. Donc c'est parti. On commence tout de suite avec des DVD qu'elle a reçus. Donc elle a reçu celui-ci, c'est Plume le petit ours polaire. Ensuite, elle a reçu La Reine des Neiges, Joyeuse Fête avec Olaf, évidemment La Reine des Neiges, hein, mais celui-là, elle l'avait pas. Yakari, elle adore regarder Yakari sur Netflix, mais au moins là, elle pourra le regarder à la maison, même si elle n'a pas de connexion. Le film de Spirit, Barbie et ses grandes sœurs, L'Aventure des Chiots, elle aime beaucoup Barbie aussi. Ensuite, elle a eu les 5 premiers films de L'Âge de Glace, mais ils ne sont pas ici, ils sont... caché là-bas avec un sombroir, donc je les ai pas trouvés, je sais plus où est-ce qu'elle a dû les mettre. Enfin voilà, elle a eu ça aussi également. Elle a eu 2 livres aussi, en premier celui-ci, donc c'est Raconte-moi des histoires pour rire, et ensuite elle a eu celui-ci, c'est Où se cachent les princesses. Elle adore chercher, à l'intérieur il y a beaucoup de... c'est beaucoup plus difficile que ceux de son âge, mais ceux de son âge en fait, vous voyez. Donc ça se présente comme ça, il y a plusieurs éléments à chercher, vous avez écrit dessous le nombre d'éléments à chercher, et elle en avait bon, de son âge, hein, comme tout le monde, seulement ils sont trop faciles, elle les trouve une fois et après elle s'en rappelle, et elle adore faire ça, mais du coup c'était pas assez compliqué pour elle, donc je pense que celui-là, ça devrait beaucoup l'intéresser. Elle a eu ensuite cette boîte à musique spéciale Noël. Elle est magnifique. On passe à présent maintenant à la pâte à modeler. Alors là, c'était le cadeau qu'elle voulait absolument. C'était celui qu'elle me parle depuis des semaines. À chaque fois qu'on lui disait qu'est-ce que tu veux, c'était ça qu'elle voulait. C'était ceci qu'elle voulait. Donc, c'était le chien pâte à modeler. Elle a vu la publicité, bien évidemment. Hein. Vu comment décembre, il passait que ça. Et depuis qu'elle a vu, elle était ultra fan et elle demandait que ça. Donc, elle a eu pour Noël. Elle a eu également ce coffret pour pouvoir faire des formes. Pour, on peut faire des animaux et tout. On peut faire des sortes de spaghettis enroulés là. Vous voyez. Donc, elle a eu cet accessoire. Et elle a également eu la pâte pour faire des pâtes. C'est le cas de dire, pour faire à manger. Donc on peut faire des spaghettis, on peut faire toutes sortes de pâtes. Donc vous avez vu, c'est pour faire des pâtes. Et, on peut faire des spaghettis, on peut faire toutes sortes de pâtes différentes. On peut également faire des ravioles. On peut faire aussi des champignons. Enfin, tout pour faire des salades de pâtes, machin et tout. Et dedans, il y a un bol, il y a une cuillère. Enfin, il y a tout ça à l'intérieur. Donc il y a tout ça. Elle en est folle. Ben, depuis Noël, en fait, ça tourne autour de pâtes à modeler. Tous les jouets là, tout ce qu'elle a eu, c'est vraiment la thématique qu'elle adore. On passe au Playmobil, oui, parce que cette année elle adore les Playmobil. Alors elle a eu les Spirits, après nous avons les dinosaures, et pour finir nous avons la maison de couture. Je vous raconte même pas l'épreuve que ça a été de tout monter, tout avec tous les tout petits accessoires. Mais bon, c'était pour la bonne cause, hein, vous me direz. Donc, elle s'amuse très bien avec. Ensuite, on passe sur des accessoires de Reine des Neiges. Enfin, des accessoires, c'est pas vraiment des accessoires. Mais elle a eu des jumelles, la Reine des Neiges. Des talkie-walkie comme ceci. Un Elsa, un Anna. Avec, elle a eu... une lampe torche, donc elle s'allume, hein. Voilà, donc elle s'allume, vous voyez. Et ensuite, elle a eu une boussole. Et c'est une vraie boussole qui fonctionne et tout, donc elle fonctionne très bien, on l'a testée. Donc c'est pas mal pour ce qu'elle va en faire. Et moi, j'ai tout mis dans une petite pochette comme ça. Comme ça, elle a tout au même endroit. Après, elle a eu ce magnifique petit cochon.
il avance, il remue le petit museau et tout, c'est trop mignon, elle peut le promener. Elle, donc voilà, ce tout petit mignon cochon. Ensuite, elle a eu un petit Sven, comme ceci. Elle a eu également des Pearls Disney. Après, elle a eu celui-ci. Elle a eu cette magnifique boîte à bijoux, la Reine des Neiges, avec Olaf sur les côtés. Et lorsqu'on l'ouvre, nous avons Elsa qui nous fait une jolie musique pour aller avec. Elle a également eu cette bague et elle est réglable. Après, nous allons passer à tout ce qui est poupée Barbie, poupon, tout ça. Alors, on attaque par les Barbie. Elle a eu Réponse, la jolie Réponse. Ensuite, elle a eu cette Barbie-ci. Donc, c'est la Barbie en question que vous pouvez habiller un petit ours. Elle a eu également la voiture de Barbie. Donc, toute simple et tout. Elle a eu également une boîte comme ceci à l'intérieur. C'est rempli de poupées Barbie aussi. Donc, elle en a plein de différentes sortes. Elle a des tenues aussi. Des tenues de rechange. Enfin, voilà, elle a. Elle a plein de nouvelles Barbie et de tenues qui vont avec pour les changer. Elle a eu aussi deux petites poupées LOL, donc celle-ci et un petit bébé LOL. Elle a eu ensuite un petit bébé qui fait pipi et caca, qui fait qu'il faut lui donner à manger et tout. Enfin voilà, il faut s'en occuper comme d'un vrai bébé. Et avec, elle a eu une autre petite boîte où à l'intérieur on a mis les accessoires de ce bébé là. Et en plus on y a glissé d'autres petits accessoires comme des couches qui n'étaient pas avec. Là vous voyez mieux, des petites couches. Il y avait des petites couches comme ceci. Il y avait un petit pot pour lui faire pipi et caca. Un bavoir, un petit bibi. De quoi lui faire la soupe avec la petite cuillère ici. La petite cuillère qui va avec. On avait aussi avec aussi ceci, la petite tête avec la tache de tête. Et un petit bonnet, une autre tête avec la tache aussi. Et aussi, elle a également eu un porte. Attendez, je suis en train de le remettre parce qu'elle l'a utilisé et qu'elle ne l'a pas remis comme il faut. Vous voyez bien ce que c'est. Donc, elle a eu un porte-bébé. Donc, ça, elle était vraiment très contente. Parce que du coup, elle a dit qu'elle pouvait faire comme moi quand elle était bébé, qu'elle pourra porter son bébé comme moi, je la portais en fait. Donc elle était super contente. Pour finir dans les poupées, elle a eu une poussette Lando. Donc ça fait poussette comme ceci là. Ensuite, ça fait aussi Lando, on peut le mettre par-dessus. On n'est pas obligé d'enlever ça, ça se plie en fait, on le met par-dessus. Et on peut aussi juste prendre la selle et transporter comme un doudou quoi. Elle a également eu une petite lampe Lama. Maintenant, on va passer à tout ce qui est loisirs créatifs, parce qu'elle adore ça aussi. Donc, elle a eu une petite licorne avec des feutres passables, de quoi lui mettre dans la crinière des accessoires comme ça, avec un torchon pour pouvoir nettoyer. C'est utilisable à l'infini. Elle peut la colorier puis l'effacer autant de fois qu'elle veut. C'était dans une, vous savez, comme dans la boîte. Dans une boîte comme ceci là. Seulement c'était pas du tout pratique et tout, c'était énorme. Et puis une fois qu'on l'a démonté, remonté, enfin voilà. Moi je l'ai glissé à l'intérieur pour pouvoir bien le stocker. Après, elle a eu ce petit kit pour faire des petites figurines souples. On n'a pas encore eu le temps de les tester, mais ça devrait pas tarder. Elle a eu également une petite tablette pour apprendre à dessiner. Et pour finir, elle a eu cette attrape-rêve. Il est magnifique, vous voyez. Tout en bleu, avec un petit papillon là. Il est vraiment magnifique. Il va falloir que je vois où est-ce qu'on va lui accrocher dans la chambre, mais il est vraiment splendide. Cette vidéo est à présent terminée. Vous avez pu voir tout ce que Scarlett a reçu cette année par le Père Noël. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bisous !